une grosse faute, mais voilà, la progression des gymnastes passe aussi par ces grands tournois. C'est là qu'ils s'aguerrissent et apprennent à maîtriser notamment leurs nouveaux éléments. Marius Urzica, le maître incontesté quasiment depuis des années du cheval d'Arçon. Marius Urzica, extraordinaire gymnaste. Et c'est parti. On apprécie, il n'y a plus grand chose à dire sur lui. C'est le grand patron de cet agrès. Voilà, ça c'est ce qu'il fait le mieux. C'est vraiment le maître du cheval d'Arçon, ça se regarde, ça se déguste. Et oui, encore une fois, un mouvement parfait, excellent, tel le métronome. Il n'a pas failli à sa réputation et a enchaîné l'ensemble de ses difficultés. Extraordinairement complexes. Succession de cercles sur un arçon et de travail en facial, comme ici, sur un seul arçon. Enchaînement des appuis, rythmé avec le corps parfaitement bien placé. Ici, son spécial en cercle Thomas avec boucle. Amplitude devant et derrière. Pose des mains sur l'ensemble des parties du cheval, entre les arçons également. Magnifique travail de Marius Urzica que nous retrouvons dans quelques secondes après ce joli ralenti et la belle sortie auprès de Nelson. Oui, Marius, it went extremely well and you were just telling us that you always perform very well here in France. Hein, vous étiez en train de me dire à l'instant hors antenne que vous vous sentiez chez vous en France. I'm so glad to be here again. I'm so happy because my first competition is here and I make it, I think, good routines and I hope with this routine I am in the final and then there I make better than today. Alors Marius, il nous dit, je crois qu'avec ma routine d'aujourd'hui, mon exercice, j'espère pouvoir me qualifier pour la finale. Et puis en ce qui concerne le plaisir de revenir à Paris, c'est exact, parce que c'est ici que j'ai remporté mes premières compétitions et c'est toujours un réel bonheur d'être ici en France. Merci Marius.